L'organisation a commencé il y a un peu moins de 15 jours. Et bien, ça se passe très bien, c'est en autogestion. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour réussir à organiser cette manifestation. On a tous conscience enfin, des dangers que ça implique pour nos libertés. Et donc, on arrive à tous travailler de manière très efficace ensemble. Et on va faire une manifestation qui va montrer en fait, que cette société autoritaire et de surveillance généralisée, ce n'est pas la société qu'on veut. La mobilisation, elle est plutôt bonne. Et on est plutôt content, non, mais on savait qu'il y aurait du monde parce que malgré tout, malgré le fait que le gouvernement n'indique pas qu'on a le droit de manifester, malgré le fait que ces attestations ne soient pas déloyales, les gens se mobilisent et sont là. Nous demandons le retrait pur et simple de la loi sécurité globale. Oui. Il est inadmissible que toutes ces lois pénales, soient votées à un moment donné où nous sommes tous enfermés, où les libertés publiques sont restreintes. Nous sommes pour une société solidaire et égalitaire. Et c'est pour ça que nous manifestons. Ça sent la mort. La mort du peuple. Je vais les retrouver. Hein. Sachez que on n'est pas forcément très content d'être là, mais en même temps, on est très content d'être là tous ensemble. L'arbitraire dans ce pays, il n'est pas nouveau. On le connaît depuis des années dans les banlieues. On le connaît depuis des années dans les milieux de l'écologie radicale, dans les ZAD, à Bure. Mais aujourd'hui, l'arbitraire, ils veulent l'inscrire, le graver dans le marbre. On me dit, à ma droite, qui n'est pas ma droite, merci, qu'il va y avoir des suites, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Il va falloir ouvrir grand les yeux et rester debout.